Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Chers frères et sœurs, au cours de notre célébration eucharistique, nous prierons particulièrement pour le repos de l'âme de Franck Athenoux, inhumé aujourd'hui à Gap, de Myriam, de Charline, sa fille de 10 ans, ainsi que pour Claude Moret, Éric Patermo, Marcel, pour Michel Terrasse, pour Gabriel, pour la famille Michelon-Gaillot, pour Grégory Gérard, pour Daniel Roux et sa famille, pour Jacques Boursier, pour Jacques Colomban et sa famille, pour la famille Guittard, ainsi que pour les âmes du purgatoire. Nous prierons pour tous les malades de nos familles, pour les membres de la famille de Bernadette, Mathilde et Florence, Florian, Michel et Geneviève, Christiane Sanchez, pour le père Perrin, pour Marie-Jeanne et Laurent, pour la famille Van Boxon et pour les religieuses de Gap, de l'abbaye de Rosan et particulièrement pour les sœurs de Notre-Dame de la Salette. Ensemble, préparons-nous à recevoir le Seigneur en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. A voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine. Fais que, soutenue par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, «
Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges qui nous ont été racontés par nos pères ? Ils nous disaient, « Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte ? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pré-pouvoir de Madian. » Alors, le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon reprit, « Pardon, mon Seigneur, comment sauverais-je Israël ? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit, « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. » Le Seigneur répondit, « Je resterai jusqu'à ton retour. » Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon obéit. Alors, l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit, « Malheur à moi, mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ?» Le Seigneur lui répondit, « Que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur de la paix. Parole du Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent.
La vérité germera de la terre, et du ciel s'épanchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient : Qui donc peut être sauvé ? Jésus posa sur eux son regard et dit : Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? Jésus leur déclara : Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, une père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Le croyons-nous vraiment ? Nous voici ici, rassemblés à Fatima, mais croyons-nous vraiment que Dieu peut agir, peut transformer notre vie ? Nous changer, nous faire entrer, vivre pour la vie éternelle. Avoir en partage la vie éternelle, est-ce que c'est notre désir profond, personnel ? C'est pourtant ce que nous promet Jésus, la vie éternelle. Vivre avec Jésus, tout donner, s'abandonner,
Laissez Jésus agir en nous. Voilà ce que nous devons chercher au profondeur en nous-mêmes. Cela, nous devons le faire vivre par notre prière. La prière, c'est dans le silence. Dans le silence de notre cœur. Et c'est là que Jésus vient nous parler. Au plus profond de nous-mêmes, dans le silence. Laissons le silence agir en nous. Laissons Dieu agir en nous et combattre avec nous pour que toutes nos rancunes, nos peurs, nos certitudes soient effacées. Et ainsi, laisser un torrent d'amour agir en nous. Ce torrent d'amour a sa place. C'est le Christ qui vit en chacun de nous. Il nous faut maintenant aimer, apprendre à servir, à transmettre la joie. Voilà un véritable chemin de libération pour notre être. Demandons la force à l'Esprit Saint, avec l'aide de Marie, maintenant et dans les siècles des siècles. Ensemble, faisons monter notre prière commune. Supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix, et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ, la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Pour cette assemblée,
nos familles, notre nation, notre pays. Que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver. Que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous les évêques, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Paix, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Notre-Dame des Vocations, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Saint-Michel Archange, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci l'ordre. Merci d'avoir.